put me right on the spot. Enyiama, the Nigerian goalkeeper. As we said earlier, it's not too often that you get to praise and talk about the quality of the goalkeeping, but he has been particularly impressive. He has. He's been rock solid, you know. And you go back to players we were just talking about, and the Egyptian goalkeeper Hamidou. I think he might be a bit of a weak link for the Egyptian side, and Enyiama, who's playing tonight for Nigeria here, is I think by far better keeper out of the two of them, but one's playing for third and fourth playoff and one's managed to get through to the final. For Michael Owen, here's this effort again by Scholes. Watch the goalkeeper, he has a lot of ground to make up. That is an outstanding save. He might have looked very, very shaky at certain points of the first half, but that is an outstanding stop. Armado sí, pero ante un rival que todavía no le está proponiendo mayor cosa, ¿no? No, Francia lo estiró en la cancha en los primeros 5 o 10 minutos, le creó un par de situaciones, mostró algunas dudas Nigeria en su defensa, sin embargo ahora empieza a jugarlo cada vez más cómodo el equipo africano. Otro ausente es Jonovi Mikel. Atención que le va a pegar Frankie Ribery. El servicio viene hacia la frontal, manotazo que le pone Enyiama. Se salva Nigeria. Eleva hasta ahora para que no esté perdiéndolo. La selección nigeriana que Enyiama. Allí está el arquero del Apoel Tel Aviv, una pelota peinada en el... Shoer, Mul Shoer, Enyiama Poet, Matanovski. Es el cador, Hasako Meduyok. Enyiama, Comesha Chan, Hanasar Metrin. העבירה שם על אביך ידין וחיים יעקב אניאמה בועט מאוד קרוב והוא מצביע מיד על הנקודה הלבנה הנה עוד מבט אחד הכניסה בעקבות השליטה הבלעדית של ההתרחשויות כאן מוליכה בצדק ביתרון מול בני סכנין מעבר לזה שהוא שוער ענק הוא גם בועט ענק אמרתי לך הוא אמור לבעוט לפינה הימנית של מאיר כהן הוא אכן בועט כך הוא כל הזמן בועט לפנדל שלי לכיוון הזה גם אם הוא אומר We'll be right back.
n'est pas évident. Et si, si, il lui marche sur les talons et ça, ça le fait trébucher. C'est pas vraiment volontaire, oui. Clayton, il me semble, s'est emparé de ce ballon. Ouais, c'est lui, c'est José Clayton. Ah, Clayton, attention. L'autre brésilien naturalisé tunisien. Oui, le pied gauche de José Clayton pour l'égalisation. Oh, et l'arrêt de Niema. Oh, splendide, il est parti du bon côté, Niema. Alors ça, ça va mettre encore un coup de plus sur la tête des Tunisiens. Oh, José Clayton, c'est pas sa Coupe d'Afrique des Nations, j'ai l'impression. Il est pas très bien tiré quand même, hein, parce que... petite chance pour le Nigeria. Et Adel Chedli, la technique d'Adel Chedli. Son tir au but. Ah, s'il marque, je pense que c'est fait pour la Tunisie. Hein. Oh, il manque Adel Chedli. Allez, Niema qui relance peut-être le Nigeria, pourquoi pas. Toujours 2-1 en faveur de la Tunisie. Il faut de toute manière absolument le Nigeria doit marquer que le Nigeria marque tous ses tirs au but. Et doit compter sur une erreur, au moins, de la Tunisie. Ah, chez Lisson. Benachour marque. Attention, attention, Benachour qui échoue comme Adel Chedli. Oh, tout est relancé. Eh oui. Égalité entre les deux équipes. Et ce sont les deux techniciens qui ont manqué, Chedli et Benachour. Ah, vous parliez des techniciens tout à l'heure. Voilà, je vous disais hein, que c'était aussi beaucoup dans la tête. Aïe, 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 Niema. Et là, deux arrêts de suite, Chedli, Benachour. Alors attention, parce que là maintenant, si le Nigeria marque, la Tunisie sera obligée de marquer derrière. Là, en réussissant, là, les Nigérians à chaque fois mettent la pression. Deuxième face à face de gardien. Niema qui marque. Les gardiens sont quasiment les meilleurs tireurs depuis les tout meilleurs à l'heure. Tireurs, c'est eux qui ont marqué les plus beaux. Oh, il voilà. A répondu hein, Bounigel. Oh, c'est magnifique. Allez, il y a eu 6 tireurs de chaque côté. Très bien. Chedli Benachour ont manqué pour la Tunisie. Yobo et Youssouf ont manqué pour le Nigeria. Allez, qui maintenant dans cette séance qui devient inter. S'il rate, c'est fini. S'il rate, c'est fini. Pour la Tunisie. C'est le Nigeria qui attention, le capitaine Bouazizi. Bouazizi face à Niema. Bouazizi. C'est fini. Le Nigeria est en demi-finale. Le Nigeria qui a pris sa revanche grâce à Vincent Niema. Toute la détresse du monde pour Bouazizi. Le Nigeria s'impose un but partout après le temps réglementaire. Enzo Faure et Aguillon marqués.